Alors, on recommence. Qu'est-ce que j'avais fait? L'écharpe d'automne. On est là. Après avoir fait les chenilles, donc on tourne l'ouvrage de là à là, ça. Et donc, comme fait, on est au cinquième niveau, donc on refait des chenilles, 1, 2, 3, et en bride. Je vais faire présent que moi je suis en fait un schéma créatif qui détermine ce motif-là. Ces motifs-là, c'est vraiment sympa. C'est pas si vous... Moi je vous propose cette fantaisie pour faire l'écharpe, par exemple. Et si vous aimez aussi quelque chose en particulier, moi je suis. Je vends des chapeaux format tricot, des bandeaux, en fait des bandeaux en tricot, blanche, des châles, des écharpes. Du coup, je ferai vous voir mon ouvrage des tricotes sous ma chaîne Rose et Crochet. Rose et Crochet. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, de publier cette chaîne à tous les amis, les personnes qui aiment les tricotes, activités créatives des tricotes et crochets. Par contre, moi, je travaille dans le temps libre, je crée ces choses-là, et parce qu'ils me les demandent. Donc, ils me demandent des amis, des femmes qui aiment beaucoup cet ouvrage-là. Alors, je vous propose ceci. Je donne même des cours, si vous voulez, personnels, individuels, pour apprendre bien à utiliser ces crochets. Ce qui n'est pas du tout, tout le monde ne sait pas utiliser bien des...